Monsieur Serge est né le 2 novembre en 1978 à Hubertville, en France, auprès de Paris. Au lycée, il est allé à Paris. Il a fait le début de ses études d'université encore à Paris. Il est resté pour licence et son master. Il a fait son thèse de doctorat à côté de Lyon, à l'université de Savoie. Après, il a travaillé au Canada. Maintenant, il travaille à l'université de Galatasaray. Alors j'ai commencé pendant ma thèse, donc la thèse c'est une activité de recherche, donc j'ai commencé la recherche pendant la thèse. J'ai commencé aussi à enseigner durant ma thèse, donc j'étais assistant, on m'a payé pour faire des séances d'exercice, donc de TD. Et j'ai fait quelques cours aussi, donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis enseignant-chercheur. J'ai choisi cette profession parce que elle me plaisait. Donc quand j'ai étudié, j'aimais beaucoup les maths. Donc j'ai eu envie d'en faire plus. Et puis le plus j'en faisais, le plus ça me plaisait. Donc j'ai continué comme ça. J'aime faire de la recherche, j'aime enseigner aussi. Donc quand les étudiants sont sérieux, je suis content de leur donner des cours. Voilà. Mon rêve, non, c'était quand j'étais petit, je rêvais pas spécialement de faire ça. C'est venu plus tard quand j'ai découvert vraiment ce que c'était les mathématiques. Quand j'étais petit, j'ai voulu être vétérinaire pendant longtemps. Après, il y a eu beaucoup de phases différentes, mais je rêvais pas d'être mathématicien quand j'étais enfant. Je travaille à l'intersection entre la logique et la géométrie. Donc je m'intéresse du point de vue logique, comment on peut décrire certaines formes, avec quelles formules on peut décrire certains objets géométriques.